Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu me découvres pour la toute première fois, je m'appelle Amy Scholl et sur la chaîne, je partage les astuces santé, cuisine et bien-être. Alors, ce sont des thématiques qui te parlent. Je t'invite vraiment à t'abonner, à activer la cloche de notification pour être prévenu de nos prochaines vidéos. Et surtout, tu laisses un pouce bleu pour m'encourager. Ça me fait plaisir et ça me donne encore plus de motivation de t'offrir plein de contenu et surtout de qualité. Alors, comme vous l'avez lu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, je vais parler de comment est-ce que tu peux maximiser tes chances de tomber enceinte et ceci grâce à un ingrédient que tu as déjà à la maison. Sans toutefois tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler des quatre côtés, parce que ce sera notre ingrédient phare pour maximiser ses chances de tomber enceinte. Les quatre côtés, si tu es au Cameroun, tu l'as sûrement déjà entendu parler. Ça revient précisément dans les assaisonnements de nos plats africains et tout. Donc, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on appelle ça en dans votre pays, mais je serais vraiment curieuse de le savoir. Donc, bien vouloir me mettre cela dans les commentaires et me dire en fait comment est-ce que vous l'utilisez. Mais aujourd'hui, je viens te partager en fait comment est-ce que tu peux utiliser ce fruit appelé quatre côtés pour maximiser tes chances de tomber enceinte. Donc, je vais te parler des bienfaits et également à la fin de la vidéo, je vais te parler de comment est-ce que tu dois l'utiliser parce que ça, c'est important de savoir l'utiliser pour pouvoir, afin que ça puisse mieux fonctionner. Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour apprendre ou bien encore pour connaître comment utiliser ce fruit appelé quatre côtés. Déjà, je l'ai ici. Voici mes quatre côtés. Quatre côtés se présentent de la sorte. En fait, comme le nom l'indique, je crois que c'est même pour cela que ça s'appelle quatre côtés. En fait, tu vas voir, c'est un fruit avec quatre côtés. Très souvent, tu vas voir, on le vend déjà, on va dire émietté ou bien découpé. Je ne sais pas si j'ai pas porté. Désolé. Mais tu vas le voir déjà, on le vend très souvent déjà émietté ou bien sous forme de poudre ou bien sous forme de petits morceaux. Là, c'est vraiment le fruit, mais donc lorsque ça pousse, c'est comme ça que ça vient. Et ensuite, on va le découper ou bien l'émietter, le rendre en poudre pour le commercialiser. Donc, moi, j'ai mon fruit ici. Ce fruit va t'aider à maximiser tes chances de tomber enceinte, va venir t'aider à lutter contre tes problèmes de ballonnement, si tu as des problèmes de ballonnement, des problèmes d'hypertension, les problèmes de odeur vaginale. Donc exactement, ça va vraiment venir purifier la femme à l'intérieur. C'est pas juste la femme, mais même l'homme peut également le prendre. Donc ça va venir purifier la femme, généralement utilisé en médecine traditionnelle. Donc, pour toutes celles qui souffrent d'hypertension, des kystes ovariens, généralement, quand tu suis un traitement médicinal, il y a toujours ce fruit qui va venir t'aider à lutter contre ces kystes, contre les démangeaisons au niveau de ton appareil génital, et contre tes problèmes d'asthme. Et aussi, si tu as des soucis de règles douloureuses ou bien l'absence des règles, donc déjà tes règles viennent chaque 3 mois ou bien chaque de façon irrégulière quoi. Donc déjà, ça vient un mois, le mois qui suit, ça ne vient pas. Ça offre un très bon remède qui va te permettre de régulariser cela. Donc, je crois que j'ai déjà tout cité sur les bienfaits de ce fruit. C'est juste magique et sincèrement, vous l'avez déjà sûrement dans vos cuisines, mais vous ne connaissez pas que c'est un puissant fruit, c'est un puissant, je ne sais pas si on peut dire épice, qui va te permettre vraiment à résoudre beaucoup de tes problèmes et surtout maximiser tes chances de tomber enceinte. Rencontre avec
tous les médicaments qu'on nous, les pilules du lendemain, les pilules qu'on prend de temps en temps comme moyen de contraception, ça affaiblit en quelque sorte notre appareil et du coup, on a des difficultés à pouvoir vite concevoir l'âge qui avance et on est parfois aussi avec beaucoup de stress de la société, le stress au quotidien, ça n'arrange pas les choses. Et aussi, l'alimentation, on mange beaucoup industriel. Donc, du coup, le corps n'a plus tous ces anticorps pour pouvoir lutter contre ces mauvais aliments que nous consommons. Et en fin de compte, on est dans les difficultés de concevoir ou bien on a des petits bobos comme des ballonnements, le mal de dos, les maux de tête, ainsi de suite. Donc vraiment, ça, c'est vraiment un truc à avoir toujours à la maison, les filles. Donc, comme je le disais tantôt, comment est-ce que tu vas l'utiliser? Parce que ça, c'est aussi important de savoir comment l'utiliser pour pouvoir bénéficier de tous les bienfaits de ce fruit appelé quatre côtés. Le principe est simple. Déjà, quand tu le vois au toucher comme ça, c'est vraiment dur. Donc, je ne peux pas le casser. Bon, à moins que tu sois un peu plus forte que moi. Mais bon, j'en doute, hein, parce que y a le muscle là. Non, mais sérieux. Bon, là, tu vois, c'est vraiment dur. Et comme je le disais, parfois, on le vend déjà concassé en petits morceaux et tout. Donc, c'est plus facile quand c'est en petits morceaux. Mais le souci, c'est quoi? C'est que, en fait, on veut avoir ce qui est frais. En fait, pas frais, mais ce qui est bio, en quelque sorte. Parce que le concassé, tu ne sais vraiment pas, tu ne reconnais vraiment pas que non. Voilà, ça, c'est le quatre côtés. Donc, je te conseille vraiment d'aller sur ce type. Donc, c'est vrai que c'est dur. Si tu as le mortier à la maison, tu as quelque chose de solide qui peut le casser, tu peux le faire toi-même. Donc, moi, je n'ai pas ce que je vais faire ou bien ce que je te conseille de faire. C'est déjà de prendre un fruit comme ça. Tu vas le tremper dans 2 litres d'eau. Tu vas le laisser pendant 24 heures dans de l'eau trempée. Et le jour qui va suivre, tu vas le faire bouillir avec quelques clous de girofle. J'ai les clous de girofle ici. Attendez, je vous montre. Un instant. Alors, voilà mes clous de girofle. Ça, ce sont des clous de girofle. Je crois que tout le monde connaît ce que c'est que les clous de girofle. Donc, voilà mes clous de girofle. Donc, tu vas le faire bouillir. Donc, une fois trempé, que tu as laissé dans l'eau pendant 24 heures, ceci, tu laisses tremper pendant 24 heures. Le lendemain, tu vas faire bouillir avec 50 clous de girofle. Voilà ça. Tu vas prendre 50 clous de girofle que tu vas faire bouillir l'ensemble dans 2 litres d'eau. Une fois que tu vois qu'il y a changement de couleur, là c'est déjà bon. Tu vas laisser ça refroidir. Donc, une fois que tu le laisses refroidir, tu vas boire un demi-verre le matin et un demi-verre le soir. Ou alors, si c'est que, parce que ça, déjà, je te préviens, ça a une très très forte odeur. Donc, du coup, ça peut être pénible de l'avaler. Mais tant que ça fait du bien, tant que ça nous apporte un plus, tant que ça te permet de maximiser les chances de concevoir, vraiment, l'odeur n'est rien comparé à tout ce que ça va t'apporter dans ton corps. Donc, une fois que tu l'aurais fait, on va dire, tu le laisses reposer, tu vas boire un demi verre le matin, un demi verre le soir, pendant pratiquement 3 jours. Et le reste, ça c'est aussi très 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 efficace. Le reste, quoi, pendant les 3 jours, tu bois un demi-verre le matin, un demi-verre le soir, pendant 3 jours, il y aura un reste que tu vas venir. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Bon, ça, c'est pour ma fille. Pour moi, je ne sais plus où est-ce que j'ai déposé ça, mais c'est dans mes affaires là-bas, c'est ce que j'ai trouvé. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça, la puce, ou bien le puce. La puce, oui, ou bien. Une pugeoire, je sais pas trop comment est-ce qu'on appelle ça, mais je pense que tu connais déjà le nom. En fait, tu vas venir avec le reste te puger avec. Donc, c'est un peu ça. Tu vas reprendre le cycle pendant, donc, sur une durée, peut-être, on va dire, sur 4 semaines, tu vas le faire pendant 2 semaines. En fait,
Tu vas le faire pendant 2 semaines et les 2 autres semaines, tu es au repos et ainsi de suite. Le mois qui suit, tu le fais pendant 2 semaines. Donc, dans la semaine, tu vas le prendre 3 fois et tu vas te purger avec 1 à 2 fois. Franchement, les filles, beaucoup qui utilisent cette méthode ont des résultats et je ne peux que vous le recommander. Essayez, ça ne vous coûte rien. Ce n'est que bénéfique pour votre santé, pour vous. Ouf, je ne fais que regarder la caméra, sinon je dois regarder là. Désolée. Donc, c'est un peu. Je pense que j'ai tout dit pour la vidéo, mais si vous avez des questions, n'oubliez pas de me mettre cela en commentaire. Je vais répondre à vos questions et je crois que j'ai tout détaillé dans la vidéo. Vous le prenez, vous le buvez sous forme d'infusion pendant 3 jours et ce de ce. Donc, j'ai déjà tout dit et je vous garantis à 100% les filles, ça va vous aider. Et d'ici quelques mois, vous allez venir me laisser en commentaire un merci. Amy, ça a marché pour moi. Je te remercie. Ça, j'en suis sûre. Donc, dans toutes choses, comme on dit, il faut vraiment y croire. Ne le faites pas dans le doute. Parce que si vous êtes en train de faire quelque chose dans le doute, ça ne va pas donner. Ayez vraiment cette foi-là que non, voilà, ça va marcher. Et vous verrez, les filles, ça va marcher. Que la vidéo vous a plu, lâchez-moi des pouces en l'air. Vraiment, je veux vraiment que cette vidéo explose parce que franchement, je viens de vous donner un contenu de qualité qui va vous aider. Et mon dernier mot, c'est juste, je vous souhaite déjà à tous ces nouveaux parents toutes mes félicitations parce que après cette astuce, les choses vont aller pour vous. Vous allez fonder la famille dont vous désirez. Donc, déjà au préalable, toutes mes félicitations pour vos futurs bébés. Portez-vous bien, prenez soin de vous et on reste. Je suis au balcon, mes voisins sont en train de me regarder, ils me disent que là. Ciao, ciao, you love.